Excel 2010 possède aussi, dans son onglet Révision, une possibilité de vérifier l'orthographe dans les cellules, de rechercher des mots, un dictionnaire des synonymes ou de la traduction. Par exemple, ici, il dort peu, nous voyons qu'il y a une faute d'orthographe. Pour cela, allez cliquer sur la cellule avec un clic gauche, puis dans Orthographe. Il nous propose plusieurs suggestions. Il dora, dort, etc. Lorsque nous avons trouvé, nous pouvons proposer la correction automatique. La vérification de l'orthographe de la feuille entière est terminée. Il m'a bien changé, il dort peu avec la bonne orthographe. Nous avons aussi la possibilité ici, lorsque nous faisons rechercher, de pouvoir trouver par exemple ici, lorsque nous ouvrons l'onglet, un dictionnaire des synonymes ou de la traduction, grâce au dictionnaire Encarta, des traductions, etc. ou d'autres sites de recherche directement sur Internet pour nous donner des définitions ou des traductions. Nous allons mettre dictionnaire des synonymes et nous voyons l'ensemble des synonymes que nous pouvons avoir avec la voiture, etc. Nous pouvons également utiliser l'outil de traduction. Par exemple, nous sommes sur beau et nous allons mettre traduire de français vers anglais. Et nous allons avoir beau, belle et ici beautiful, lovely, handsome, good looking, etc. Nous avons ici un traducteur directement français, anglais et avec évidemment plein d'autres langues, tout ici.